Couronnement de Charles III, les premiers dévoilés, des surprises annoncées. Si l'on sait que le couronnement du roi Charles, le 6 mai prochain, s'annonce comme l'un des événements historiques du Royaume-Uni. Et que le pays se prépare peu à peu à ce week-end, d'autres, ailleurs, s'y préparent également. En effet, les familles royales des autres pays ont été conviées et certaines ont officialisé leur présence ce mardi. Et si l'on attendait la confirmation du roi Felipe ou de la reine Letizia d'Espagne? C'est du Japon que les premières réponses sont venues, en effet, le prince héritier Fumihito et la princesse héritière Kiko seront présents pour remplacer l'empereur Naruhito et sa femme. L'impératrice Michiko, qui sort rarement du pays mais qui avait fait le déplacement pour les funérailles d'Elisabeth II en septembre. Cette fois, ils laisseront donc la place au prince Fumihito, le frère de l'empereur, car sa fille unique, Eiko, ne peut pas récupérer le trône, et à sa femme Kiko, qu'il a épousée il y a près de 33 ans. Parents de trois enfants, Mako et Kako, nés en 1991 et 1994, ainsi qu'Isaito. 16 ans, ils retrouveront un autre couple d'héritiers, Frédéric et Mary du Danemark. Le fils aîné de la reine Margrethe représentera en effet sa mère pour la cérémonie. La souveraine, octogénaire, a en effet été opérée il y a peu du dos, et ne peut pas se déplacer comme elle le voudrait en raison de sa convalescence. Heureusement pour elle, son fils n'hésite pas à prendre sa suite et devrait se montrer parfait pour le couronnement de Charles III. Futur roi lui-même, celui-ci ne pourra cependant pas compter sur son frère cadet. Joachim, depuis que leur mère a retiré les titres royaux des enfants de ce dernier.